Bonjour les filles, bonjour tout le monde. Donc cette vidéo ça va être très rapide, un petit peu courte parce que tout simplement je voulais faire une petite confidence. Tout simplement je pense que je ne vais pas faire des vidéos aussi souvent que je le fais parce que tout simplement en commençant de tenir cette chaîne j'avais pensé tout simplement à m'améliorer en français tout simplement pour continuer à avancer et avancer tout simplement dans la langue française, d'acquérir le vocabulaire un petit peu plus conséquent que j'ai maintenant et tout simplement de m'entretenir en forme. En fait, le but de cette chaîne était justement ces deux choses-là, donc s'améliorer en français et s'améliorer physiquement et mentalement en même temps, puisque quand vous êtes bien physiquement, vous êtes bien aussi à l'intérieur de vous. Et moi je vois que je vais à mon encontre tout simplement, je me sens en compétition constante tout simplement parce que je regarde les chaînes YouTube des filles, des youtubeuses, des filles, des garçons qui me plaisent et à chaque fois je me dis il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, mais en fin de compte c'est pas ce que je voulais faire moi, donc du coup à chaque fois je me retrouve avec plein d'idées qui est pas mal du tout, mais ça ne va pas du tout dans mon sens, dans le but pour lequel j'ai ouvert cette chaîne. Donc je vois des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. Moi je préfère avoir du public qui s'intéresse uniquement à ma chaîne, pas parce que je fais un concours un jour. Et aussi je voulais dire que je ne vais plus m'abonner aux chaînes juste par plaisir, pour leur faire plaisir. Moi je vais m'abonner aux chaînes qui m'intéressent, aux gens qui m'attirent, pour les regarder. Je ne suis pas sur YouTube pour faire de la publicité ni pour promotionner qui que ce soit, ni je suis sur la chaîne YouTube pour le but de me faire plaisir à moi-même avant tout, pas pour faire la course dans le but où moi j'ai plus de vidéos que elle, où je gagne plus que lui, enfin bref voilà, c'est pas ça le but, c'est tout simplement si vous êtes intéressé vous allez y rester, si vous n'y êtes pas c'est pas grave, moi ça va rester pour moi, ça sera mon journal électronique on va dire, virtuel que je mène et qui me fait plaisir parce que j'aime beaucoup regarder l'évaluation de ce que j'étais, de ce que je suis devenue, de comment je peux être, ça me fait plaisir et je suis également contente de voir les gens qui me suivent tout simplement parce que ça leur plaît et je vous remercie d'ailleurs beaucoup et j'espère que vous allez rester avec moi, j'espère que ça va continuer de vous intéresser et donc voilà, je voudrais arrêter cette course des vidéos au plus vite, mettre en ligne. Parce que tout simplement, j'oublie un petit peu ma vie personnelle. J'oublie un petit peu que je vis dans le monde réel et pas dans le monde virtuel. Je ne veux pas tout le temps et constamment me promener avec la caméra ou avec mon iPhone pour filmer vite et bien. Vite, mais mal fait, mais pas bien fait. Ce que je veux, c'est d'avoir des vidéos de qualité donc, et pas de quantité. Donc moi je préfère quand même, si vous souhaitez de rester sur ma chaîne, je veux bien, mais vous allez voir des vidéos peut-être plus rarement, mais qui seront de meilleure qualité que maintenant. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que quand on filme beaucoup, je me retrouve avec beaucoup de choses. Ensuite, il y a beaucoup de travail de montage et je n'ai pas forcément le temps de tout faire. Au final, au lieu de m'occuper de moi comme je voulais le faire et de le montrer dans les vidéos, je m'occupe plus du tout de moi, je m'occupe uniquement de l'image que je dégage, vite fait, quoi, et pas l'image en long terme, ce que je voudrais d'ailleurs. Voilà, donc je vais maintenant essayer de faire des vidéos de meilleure qualité, de meilleur contenu, de m'améliorant en français, et vous exposant un petit peu mieux ce que je présente, les sujets, les vidéos meilleures que maintenant. Voilà, tout simplement, je vais rester dans le qualitatif et non dans la quantité. Ça, je pense que c'est la meilleure chose parce que YouTube, déjà, il regorge de tellement de vidéos, de tout et n'importe quoi, et je veux pas en être
en rajouter encore plus, juste pour rajouter. Et en dehors de cette chaîne, je mène encore deux chaînes que j'ai un petit peu zappées, je les ai laissées de côté, alors que c'est ce qui me plaît. C'est des langues étrangères que je voudrais aussi m'améliorer et je voudrais continuer dans cette lignée. Donc j'ai un peu zappé tout ça et là je vais commencer ma formation d'anglais. Donc je vais vraiment me lancer là-dedans et approfondir tout ça. Et donc, et également mon tricot, donc j'ai un petit peu laissé de côté. Voilà, ça demande beaucoup de travail également, ça demande beaucoup de motivation. Et les chaînes beauté, pour moi, ça a été très rapide à faire. Ça va vite, tu mets vite les vidéos en ligne, ça ne demande pas beaucoup trop, enfin ça demande pas trop de réflexion, pas de préparation, mais au final je vois qu'il vaut mieux quand même être mieux préparé, mieux filmer ce que je présente, et c'est beaucoup plus intéressant pour les gens, pour les yeux, enfin pour l'oreille, quoi, c'est mieux. Voilà, donc je m'excuse pour celles ou ceux que je vais peut-être déçus, mais sachez que ça, je n'arrête pas ma chaîne, mais je vais arrêter de filmer aussi souvent. Puisqu'en mettant en planifiant les vidéos, en les mettant en ligne, en chaîne, ça fait un petit peu trop. Donc au final j'oublie ce que j'ai fait, ce que j'ai filmé, etc. Quand on me laisse les commentaires, je suis obligée de les revoir les vidéos, alors que je préfère quand même avoir les commentaires juste après avoir fait cette vidéo et les relire. Et ça me fait plaisir de vous répondre en même temps que de mettre plein de vidéos et puis ne pas savoir à quel moment ils vont sortir et qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, ça m'embrouille un petit peu le cerveau. Donc on va rester un petit peu zen, rester dans le calme et passer de bons moments sur YouTube et non des moments stressants et oppressants. Enfin voilà, il faut que on relâche un peu. Zen attitude. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté cette petite confidence. J'espère qu'elle n'était pas très longue et ennuyeuse. J'espère que vous serez compréhensifs envers moi. Et j'espère vous voir sur ma chaîne quand même. Gros bisous.